La douleur est décrite comme une sensation désagréable dans une partie du corps. En général, elle signale la présence d'une maladie, d'une blessure ou le mauvais fonctionnement d'un organe. On distingue deux types de douleurs, la douleur aiguë et la douleur chronique. La première apparaît après une opération, à la suite d'une blessure ou pendant une maladie, mais elle disparaît aussitôt que le patient est guéri. La douleur chronique, par contre, dure plus longtemps qu'une période normale de guérison d'une maladie ou d'un accident. Elle peut frapper soudainement, sans raison préalable, et s'installer progressivement. Dans certains cas, la douleur chronique est une maladie. Chaque patient ressent et exprime la douleur selon son expérience personnelle, sa culture ou ses croyances. Afin d'obtenir un diagnostic précis, les infirmières posent des questions sur l'origine de la douleur, sa localisation sur ou dans le corps, sa durée, son intensité et les symptômes qui l'accompagnent. Pour mesurer la douleur, on utilise trois types d'échelles. L'échelle numérique, de 0 à 10, l'échelle verbale et l'échelle des visages. Sur l'échelle numérique, 0 indique l'absence totale de douleur et 10 traduit une souffrance insupportable. L'échelle verbale, pour sa part, permet au patient de décrire sa douleur à l'aide de 5 adjectifs. Aucune, légère, modérée, intense ou intolérable. Enfin, pour les enfants, on utilise l'échelle des visages. Si l'enfant montre le visage souriant, cela veut dire qu'il n'a pas mal, et s'il montre le visage en pleurs, c'est que sa douleur est intense. Pour les patients qui ne peuvent pas communiquer, on observe les changements dans leurs habitudes et on pose des questions à leurs proches. Pour soulager la douleur, on administre des analgésiques ou antalgiques par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou par application de timbres cutanés. Certains types d'antidépresseurs ont aussi des effets bénéfiques sur la douleur. La force des antidouleurs varie entre le simple comprimé d'acétaminophène et des doses importantes de morphine. Pour le bien-être du patient, on peut appliquer de la crème analgésique, un sac de glace ou une bouillotte d'eau chaude sur la région affectée.